Hey guys, on se retrouve pour une vidéo folle, une session, deux sessions en 40 minutes, du grand art, du défonçage de règles en bonne et due forme, mais ne quitte surtout pas ce passage parce que là on va parler vrai, on va parler sérieusement et on va parler chiffres. Bon déjà au niveau du grind, on a trouvé des solutions, on a eu un message du win nous disant que c'est bon, qu'ils acceptaient qu'on vienne vlogger, et donc maintenant on va aller que au win. Et ce qu'on a fait, on a analysé les joueurs. J'ai fait un vrai travail sur chaque joueur qui était là régulièrement. Que ça soit des prises de notes sur leur jeu, leur tels physique. Enfin bref, on a passé au crible la plupart des joueurs. Et tout se passe assez bien, et on arrive à un point où j'ai le choix entre deux choses. Pour vous faire un petit retour sans trop vous spoil, je vais aller regarder mon analytics. Et j'ai pas envie de vous spoil trop sur les résultats, donc je vais juste vous dire les taux horaires. Et en gros, sur 17 sessions, on a 100% de sessions positives. Ce qui fait plutôt plaisir. Que sur la 1-3, on est à un taux horaire de 172 $ de l'heure. On est à 57 BB de l'heure et à 230 BB 100. Et là, j'ai un problème. J'ai un problème parce qu'en termes de bankroll, je pourrais aller jouer de la 2-5, de la 5-10. Mais le problème, c'est que la plupart des mecs qui vont suivre ce challenge, ils vont commencer en 1-3. En tout cas, même s'ils commencent plus bas, la limite décisive, ça va être la 1-3. Et en même temps, quand je parle de win rate avec des gars dans les commentaires, j'ai souvent le même truc. Mec, tu parles de 20 BB de l'heure. C'est impossible. Genre j'ai vraiment beaucoup de mecs, même des mecs expérimentés, des mecs, des joueurs pros. Je parle à beaucoup de joueurs pros qui sont en 1-3, en 2-5. Ils me disent faire plus de 20 BB de l'heure, c'est impossible. Genre mathématiquement, ce n'est pas possible. À chaque fois, je demande vraiment, je leur demande leur win rate pour avoir vraiment un retour objectif. Tout le monde me dit, si tu es le top player au monde, en 1-3, tu fais genre 60 $ de l'heure, 70 $ de l'heure, 80 $ de l'heure. Le truc, c'est que ces mecs-là, ils sont très limités mentalement. Parce qu'en fait, ils évoluent dans ses limites, et donc ces limites-là sont normales pour eux, et forcément, c'est pas possible de faire plus parce que ils sont dans ce monde-là. C'est comme si je vous disais, dans un match de foot, c'est impossible de gagner à 3 joueurs contre 11, c'est impossible. Je pense qu'à niveau équivalent, c'est impossible de gagner 3 contre 11. Mais si tu mets 3 top players mondiaux et que tu mets des collégiens à côté, je pense que c'est une autre histoire. C'est un peu ce qui se passe, étant donné que je suis joueur de beaucoup plus haute limite, jouer de la 1-3, les mecs font des erreurs qui sont monumentales dans absolument tous les spots. Et donc ça rend possible des choses qui sont, d'autres points de vue, impossibles. Donc voilà, on a deux options. Je pourrais aller en 5-10, 10-20, monter, etc. Forcément, les limites seront plus dures, donc les win rates redescendront, ce qui est naturel. Je dis pas que je peux faire 50 BB de l'heure en 10-20, je suis pas complètement taré non plus. Mais le problème, c'est que quand j'aurai le discours de dire, bah ouais les gars, vous pouvez faire 80 $ de l'heure en 1-3, y a pas de souci. En fait, on me redira que c'est impossible. Et si je dis, ouais, mais moi, regardez, les gars, sur 20 sessions, enfin, peut-être 40 sessions avec Constanta, où j'étais aussi à ces winrates-là, à peu près à 50 BB de l'heure, bah, on me dira, ouais, mais t'as chaté. Et en fait, la parole, ça vaut toujours moins que les actes. J'aurais beau dire que je suis convaincu de ça, que de mon expérience, je sais que c'est possible, qu'au table, et vu les erreurs que font les adversaires, je sais que c'est possible, les actes ont toujours plus de poids et toujours plus de puissance. Donc, ce que j'ai envie, c'est un peu extrême, mais étant donné. Montrer qu'on peut faire des gros winrates en 10-20, en 20-40. Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose à la majorité? Ça va apporter, je pense, aux joueurs qui sont dans la transition, qui jouent en 10-20. Mais c'est pas la majorité. La majorité des mecs qui regardent cette chaîne, ils jouent un peu online en NL10, NL25. Ou alors ils jouent même pas encore complètement au poker et ils sont plus dans une phase de découverte. Ou alors ils jouent de manière plus récréative. Mais en fait, montrer qu'on peut faire 90 $ de l'heure facilement. Et montrer qu'on peut faire bien plus, parce que mon objectif, c'est pas de faire 90 $ de l'heure. Mon objectif, c'est de viser justement entre 130 et 150 $ de l'heure. Là, ce serait une vraie réussite pour moi. Et puis, mieux vaut être trop optimiste. Au pire, tu vises la lune, t'atterris dans les étoiles, voilà. On connaît l'idée. Mais en tout cas, je pense que ça aura beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'impact sur un maximum de monde, de montrer ça, plutôt que de montrer que, regardez, les gars, je fais des mois à 30K en 5-10, en 10-20. Pour moi, ça impactera beaucoup moins de monde. Et ça fera changer potentiellement, en toute humilité, hein. Ça fera potentiellement changer la vie de moins de gens. Donc voilà, j'ai besoin de vos avis. J'ai besoin de vos avis. Est-ce qu'on va en 1-3? Est-ce qu'on montre que l'impossible est complètement possible et qu'on va le fumer? Et que même, parce que les gars, au niveau de ma concentration et de ce que j'exploite à la table, je suis peut-être à 15-20%. Je suis occupé à prendre des notes, à me remémorer le board pour être sûr de bien le noter, à bien gérer l'angle de la caméra, à être sûr que je filme pas un visage parce que sinon je vais avoir des problèmes avec lui et lui, etc. À gérer les Insta, tout ça, enfin, pas du tout au maximum de ma concentration. Et ça, je suis persuadé que les 40 BB de l'heure, les 50 BB de l'heure, je les fais tranquille. Genre vraiment tranquille. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir les sessions en direct, parce que là, les résultats que je vous ai dit sur les taux horaires,
C'est en prenant en compte des sessions aussi récentes que j'ai jouées, qui sont postées d'ailleurs tous en direct sur Instagram. Je vais laisser un petit sondage en commentaire épinglé. Petit 1, je reste en 1-3 et je montre qu'on peut casser des gueules et faire des taux horaires de fou en 1-3. Numéro 2, on continue l'ascension, 5-10, 10-20, 20-40, et on montre qu'on défonce tout le monde en high-stake. Je vous laisse avec ces deux choix-là. Pensez à commenter pour me donner votre avis, c'est très important. Et quoi qu'il arrive, il y aura encore quelques vidéos en 1-3, étant donné qu'on tourne une semaine à l'avance pour le montage. D'ailleurs, si vous voulez voir les sessions en direct, venez sur l'Instagram BackyPoker. Allez, je vous laisse avec la vidéo, on se retrouve tout de suite. Let's go! Ok les frérots, bon, je viens de me réveiller, j'ai reçu un petit mail positif. Le win, autrement appelé le wine, vient de m'envoyer un mail. Alors, le mail c'est ça. Attends, mon écran il est dégueulasse. Thank you for your email. Also, we allow you to vlog. Is it necessary that you only film the table, not the identity of player or staff? At this time, we do not offer a partnership. J'ai rien compris du tout. Enfin, en fait, j'ai compris que j'avais le droit de filmer, et à la fin que j'ai pas le droit de filmer. J'ai mis la traduction. Merci pour votre email. Bien que nous vous permettions de vloguer, moi je m'arrête là déjà, j'ai le droit de vloguer. Il est nécessaire que vous ne filmiez pas la table, et ensuite, pour le moment, nous ne ferons pas de partenariat ou de promotion pour le faire. Alors, est-ce qu'ils offrent pas de promotion pour filmer les joueurs et le staff? Ou est-ce qu'ils offrent pas de promotion pour tout ça? Je suis dans un spot très compliqué. J'ai envoyé à des personnes qui parlent un peu mieux anglais que moi pour avoir leur avis. Personne n'a compris. Genre, mais les avis sont quand même plutôt positifs. Go, on va voir. S'il y a quelqu'un... De toute façon, en fait, ce qui est cool, c'est que s'il y a quelqu'un qui me dit quelque chose, je dis bah ouais, mais regardez, j'ai un mail et tout. C'est bon, j'ai passé un accord, je l'ai appelé et tout ça, et c'est bon. Et comme ça, j'ai un peu plus de crédibilité. Le temps qu'ils me remontent, qu'ils appellent le directeur et tout, je pense que je peux gratter 3-4 sessions, quoi. Donc, c'est parti, on y va. Je vais sans Hugo. Hugo, il est en train de bosser le montage, là. On se retrouve aux tables et tout défoncé. Allez, on se retrouve tout de suite. Ciao. Et en plus, on est samedi. Donc, samedi dit belle table. Et les belles tables, nous, on adore. Hop. J'arrive sur une belle table avec des règles qui sont vraiment, vraiment nulles et que j'ai bien étudiées. Donc ça va être du gâteau. Première main, j'ai As-3 dépareillé en small blind. Il y a un joueur régulier au cutoff qui limp. C'est un joueur que j'ai bien étudié et donc j'en profite pour le sur-relancer à 15 étant donné que je vais pouvoir très bien manœuvrer post-flop contre lui parce que j'ai une idée bien claire de sa range. Je relance 15, il call et tombe un flop Dame-Dame-Valet. Il ne connecte pas du tout ce board. Ses meilleures mains, ça va être des 10 et 8, 8 et 9, des petites paires, genre 3-3 jusqu'à 7-7. Et donc, je décide de miser 10. L'idée ici, c'est de le faire call pour le bluff plus tard. Ça me permet aussi de m'assurer qu'il n'y ait pas une petite main, genre dame 8 suité, dame 7 suité qui se balade. Et c'est le genre de joueur qui ne sait pas bluff. Donc je sais que s'il me relance, je suis derrière dans tous les cas, il a une dame, et je peux fold tranquillement. Il call, turn tombe un 6. Et pendant que je suis en train de jouer contre ce joueur, il y a son pote qui est juste à ma droite, qui est aussi un reg assez faible de la limite, qui commence à me parler et qui dit qu'il ne folderait jamais contre moi parce qu'il sait que je bluffe tout le temps, etc. Pour ceux qui suivent le vlog à fond, c'est le mec qui avait fold Valet-Valet quand j'avais 6 et 7 et que j'avais décidé de relancer en bluff pré-flop. Et il avait dit, je sais que t'as la meilleure main, il avait foldé Valet, et j'avais montré 6 et 7. Et depuis, apparemment, il a un peu envie de prendre sa revanche. Je vous parle de ça parce que vous allez voir que ça va être important pour la suite. Bref, après l'avoir écouté, et après avoir rien compris avec mon anglais de collégien, je me refocus sur le coup, je décide de continuer à miser 15$, dans l'idée de faire toujours call ces mains-là qui vont fold river. Il call, river tombe à un 9, ça percute très mal sa range, il y a juste des mains comme 10 et 9 qui ont fait une petite paire, et quelques rares combos de 10 et 8 suités, qui vont pouvoir call, mais bon, ça fait que 4 combos qui vont call pour plus d'une trentaine de combos qui vont fold très facilement. Bref, je décide de partir en bluff. Et il y a l'autre qui continue toujours à parler, il dit qu'il folderait jamais contre le Mr. Frenchy. Mon anglais, il est éclaté, je vous laisse ce qu'il dit, mais en tout cas, moi, je comprends rien. Bref, je bluffe 100$. Not to Mr. Frenchy. No. Oh. I know. Trust me, he loves bluffing on the wall. Une chose importante, c'est étant donné que j'ai des tels physiques sur ces joueurs,
je décide toujours de miser en deux temps, c'est-à-dire que je prends ma pile de jetons, je la pose, et ensuite je la pousse. Ça me permet d'obtenir des réactions et des tels physiques. Lui, on voit que dès que je prends ma pile et que je m'avance pour la poser juste au bord de la ligne, il surélève déjà ses cartes, prêt à les fold. Ce qui est super intéressant, c'est que dans des coups où mon bluff va être moyennement profitable, bah, je vais m'amuser à faire ça en fait, à prendre ma pile, juste l'avancer. S'il fold, tant mieux. Et s'il fold pas, bah, je ramène ma pile vers moi et j'arrête de bluff en fait, parce que je me dis juste qu'il a un combo qui peut potentiellement call. Là pour le coup, le spot est trop profitable à bluff, donc j'aurai bluff dans tous les cas. Mais sur d'autres coups, je vais jouer de ça. Et vous voyez, on est quand même sur un pot qui fait presque 100$, et malgré tout, bah, les mecs ont des tels physiques énormissimes, flagrants à l'œil nu quoi. Donc ça fait plaisir. Et ensuite, il y a le joueur à ma droite qui continue à baragouiner en me disant que la prochaine fois que je mise contre lui, il va faire all-in. Alors que le mec, ça fait vraiment genre minimum 70 fois que je le bluff. Il ne m'a jamais call une fois. You're the only one big boss. All-in. Want it out? Enjoy. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai beau leur montrer que je bluff à chaque fois, je vais toujours les attaquer dans des lines où c'est compliqué pour eux de call. En fait, il ne suffit pas de vouloir call pour pouvoir se défendre contre moi. Mais ils devraient complètement réorganiser leur stratégie pré-flop, flop et turn pour avoir moins de déséquilibre à la river et avoir des combos à call. En fait, ce que je fais, c'est que je les mets souvent dans des situations, typiquement ici en misant au flop et en misant à la turn, où je sais qu'il ne va pas avoir de dame, et je vais lui mettre de la pression dans un spot où il a que des mains très faibles. Et en fait, qu'il décide de call ou qu'il décide de fold, je m'en fous. Parce que même s'il décide de call, ça sera des mains très faibles, et je pourrais largement rentabiliser en misant tous mes valets dans ce spot, que je vais miser pareil en misant très cher. Enfin bref, voilà pour la petite parenthèse, donc j'ai pas vraiment peur de montrer mes bluffs, parce que je sais que dans tous les cas, ils n'ont pas du tout le niveau technique pour s'adapter. Au pire, ils vont me call plus à la river, et franchement, sur ma stratégie globale, ça va me faire gagner de l'argent, parce que quand j'aurai des bonnes mains, je pourrais miser très très cher avec des mains qui sont plutôt moyennes. Typiquement dans ce spot, si le mec décide de plus me call, bah, je pourrais miser un valet et avec une main genre valet 8, réussir à retirer 100$ du spot, ce qui est énorme. Et bref, après ça, il y a le mec à ma droite qui commence à se vexer et qui me dit « D'ailleurs, j'ai pas envie que tu vlog. » Moi, je me dis « Bah vas-y, il doit rigoler, tout ça. » Je pense qu'il me fait une blague, quoi. En mode « Tu bluffes trop, je veux pas que tu vlog, du coup, je rigole et tout. » Et le mec, il me dit vraiment en mode genre premier degré, j'ai pas envie que tu vlogues. Du coup, je parle un peu avec lui, je lui demande, enfin, c'est quoi le problème? Genre, t'es à ma droite, on voit ni tes cartes, ni tes mains, rien du tout. And what is the problem in vlogging for you? I don't want to be on the vlog. Yeah, but there is no surface. I don't want to be on the vlog. Et en fait, le mec, aucune justification, il parle plus. Et moi je reste parce que bah genre juste voilà, enfin je sais pas, je zappe et le mec il va voir le floor pour se plaindre, etc. Et enfin voilà quoi, je vous parle de ça parce que la seule adaptation que ces joueurs ont pu trouver, et c'est pas le seul à faire ça, dès qu'on vient à leur table, que ça soit moi ou Hugo, bah en fait ils disent voilà, on n'a pas envie d'être dans le vlog, alors que y a plein de joueurs pas ouf récréatifs qui viennent pour vlog, ça leur pose aucun problème. Mais juste en fait, vu qu'on les bluff H24, vu qu'on prend tous les stacks à la table, et bah à chaque fois c'est leur petite excuse de dire on n'a pas envie d'être sur le vlog, et comme ça ils nous virent de la table. Voilà pour la petite aparté. Bref, forcé de changer de table, mais la nouvelle table est bien sexy, il y a une bonne ambiance, c'est plutôt cool. J'arrive et directement j'ai As-Dame en début de parole, je décide de relancer à 15, le joueur en grosse blinde call, tombe un flop, valet 10-5. Il check au flop et je décide de miser 15$, je vais me faire payer par plein de mains que je domine. En même temps, je vais pouvoir de temps en temps transformer en bluff sur des cartes qui m'avantagent. Turn tombe un 2, il check. Ici, c'est pas forcément une bonne carte pour bluff, il y a encore plein de mains que je domine. Je check. River tombe un 3. Et là, il décide de miser 22$. Il y a assez peu de mains en value et il y a beaucoup de bluffs comme au Roi-Dame, 8 et 9, 8 et 7. Et donc, j'ai un call qui est assez facile. Je call, il retourne Roi 8. Bref, on passe up de 100$ sur la session avec ces deux petits coups de chauffe, et c'est parti pour enchaîner. Main suivante, j'ai Roi-Dame au bouton, je décide de relancer 10 pré-flop. Le joueur en small blind décide de me sur-relancer à 50$. C'est un joueur régulier qui est assez dynamique, mais comme on va le voir, qui a pas mal d'erreurs dans son jeu. Je call parce que je sais que c'est un joueur sur lequel j'ai un gros avantage post-flop, et dans tous les cas j'ai une défense assez standard avec Roi-Dame. Et tombe un flop, valet 5-2, avec un tirage couleur trèfle. Il décide de miser 30. C'est une mise qui est assez étrange.
En réalité, c'est une mise qu'il va plutôt faire avec des mains faibles, et quand il a des mains fortes, quand il a les as, les rois, les dames, il va miser plus cher que ça. En tout cas, c'est les informations que j'ai sur ce joueur. J'ai un call assez facile, étant donné que je vais pouvoir pas mal bluffer. Typiquement, si un trèfle rentre, je vais pouvoir transformer en bluff s'il check. Si je touche un roi ou une dame, je serai pas trop mal. Enfin bref, j'ai un call assez facile. Turn tombe un 2, il check. Je décide de checker parce que j'ai pas vraiment d'intérêt à miser ici. Ça va être difficile de faire fold moins bien. Je check, river tombe un 6. Et là, il décide de miser 60$. Ok, on a une hauteur roi, donc pas grand chose. Et en même temps, j'imagine assez peu de mains fortes miser cette taille de mise. De plus, avec des mains vraiment fortes, il aurait sûrement misé à la turn. Donc ça représente soit un bluff, soit une main comme 10-10, 9-9, 8-8. Et le problème dans sa stratégie et dans les joueurs de basse limite, c'est qu'ils ne comprennent pas les fondements théoriques et les implications théoriques pour choisir une taille de mise. Quand il mise 60 dans 160, il m'offre une cote de 60 dans 280. Parce que j'ai besoin de payer 60 pour gagner un pot qui au total fera 280. Et donc j'ai besoin d'être bon environ une fois sur 5. Pour que son sizing soit équilibré théoriquement, c'est-à-dire me laisser indifférent à call ou à fold, ce qu'il est censé faire théoriquement pour m'empêcher de générer un profit, et donc quand je génère un profit ça veut dire que lui il perd de l'argent, il devrait avoir 4 mains en value pour une main en bluff. Ce qui fait que quand je call, je serai bon une fois sur 5, et donc ça serait cohérent avec la taille de sa mise pour m'empêcher de générer un profit. Et donc, miser très peu de bluff dans ce sizing. Le problème, c'est qu'à ses limites, leur compréhension théorique est trop faible. Ils vont faire l'erreur de miser des mains comme 10 et 9, 8 et 9, 7 et 8 avec cette taille de mise, et miser plus cher leurs mains très fortes. Et si on lui met 10-10 jusqu'à 7-7, ça fait seulement 24 combos. Car pour moi, les valets, ils les auraient plus misés à la turn, ou misé plus cher river. Et par contre, il a complètement des mains comme Roi 10, 10 et 9, 8 et 9, 7 et 8, ce qui fait directement 16 combos en bluff. Et franchement, là j'en ai mis juste quelques-uns vite fait, mais il peut en avoir largement plus. Et donc on se retrouve dans une situation où sans forcer, j'ai besoin d'être bon une fois sur 5, et je vais avoir bon une fois sur 3. Et donc en gros, il m'offre un coup hyper rentable. S'il voulait avoir autant de bluff qu'il en a dans sa stratégie, il devrait utiliser une taille de mise autour de pot pour me mettre dans une situation où mon call est indifférent à call ou à fold, c'est-à-dire que j'aurais besoin de gagner une fois sur 3 parce que je mettrais 160 pour récupérer un pot qui ferait 480 au total, et donc j'aurais besoin de gagner voilà une fois sur 3, je les aurais tout pile, et je ne pourrais pas générer de profit. Sauf qu'il ne peut pas faire ça, étant donné qu'il a un déséquilibre sur son sizing flop, sur son check turn. Enfin bref, c'est toujours pareil, les joueurs de cette limite se déséquilibrent pré-flop, flop et turn, et ils se retrouvent à la river avec des ranges qui ne ressemblent à rien, et c'est très difficile pour eux de jouer. Bon voilà, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, pour pas que le côté théorique prenne le pas sur le vlog, mais en tout cas, si vous voulez des vidéos plus complètes sur le sujet, vraiment spécifiques, faites-le moi savoir dans les commentaires, ça sera avec plaisir. J'hésite juste un moment à relancer en bluff ou à call, parce que c'est vrai que si je fais tapis, ça va être difficile pour lui de payer, mais c'est un joueur qui me voit déjà assez agressivement, et je pense que si je fais tapis, il peut de temps en temps chauffer et payer une main comme 10-10, 9-9, et donc je décide de juste call. Ça gagne, il cache directement, et je retourne quand même ma main, pour un peu un côté d'emprise psychologique. En fait, ce qui est intéressant à montrer ma main, c'est que le mec ne comprend pas le fond de ma pensée, et donc il ne peut pas m'exploiter. Il pense que je call n'importe quoi, alors que, en réalité, je suis plutôt de nature conservateur dans mon jeu, pour ceux qui voient les vlogs, et ce qui est intéressant en montrant ça, c'est qu'il va justement vouloir m'exploiter en misant directement quand il a une main, pour que je call, parce qu'il me voit comme un joueur qui call beaucoup, et cette action qu'il va faire de miser beaucoup et mettre l'argent au milieu quand il a une main, ça me permettra de bluff plus facilement encore quand il ne mise pas. Enfin bref, c'est toujours montrer une main pour exploiter la dynamique qu'elle va créer. Enfin bref, il y a pas mal de petits bluffs qui passent par-ci par-là. On est up de 250$ depuis le début de la session. On commence doucement, ça fait plaisir. Main suivante, j'ai 6 et 7 dépareillés au bouton. Il y a le joueur au cutoff qui limp. Et ici, je décide d'overlimp. L'idée, c'est que le joueur au cutoff est un joueur très très faible, la small blind aussi, et je suis vraiment content de les jouer parce que je vais pouvoir très bien manœuvrer les pots. Mais en réalité, j'aurais préféré quand même me voir sur-relancer parce que j'ai plus d'intérêt à faire grossir les pots contre des joueurs aussi faibles. Finalement, le joueur en small blind relance à 15, le cutoff call, et même si ma main est assez faible, je décide de call tout simplement parce qu'ils vont être trop faibles post-flop. Ils ont des telles physiques, ils ont des grosses lacunes dans leur jeu, ça va être très facile pour moi de manœuvrer. Tombe un flop, As 4-8 avec un tirage couleur. Le joueur en small blind décide de miser 15, le cutoff fold, et ici, je décide de call. Le plan, c'est même pas de bluff plus tard, parce que le joueur en small blind est un joueur très très honnête, et ici, je sais qu'il a une main forte. Donc on call juste en se disant que si on touche un 5, et bah on lui prend tout, et si on touche pas, on abandonne simplement. Je call,
Etern tombe un 5 qui ouvre un double tirage couleur. On a touché notre quinte, on est très content. Il décide de miser 25. C'est très souvent un as, plutôt un bon as, parce que les as faibles, il va pas avoir tendance à les relancer préflop. Et donc, je décide de relancer très cher directement pour prendre un maximum de value. Aussi, j'ai une image de joueur très agressif, alors je sais qu'il va difficilement fold. Je relance à 150$, il call, river tombe un 9 qui rentre une couleur, il check et je fais tapis pour les 250$ qui lui restent. Il call et il retourne As-Roi, ça gagne, ça fait plaisir et on monte un gros stack là-dessus. On est up environ de 600$ sur la session, plutôt nice. Finalement ma table casse, il est assez tard et les deux autres tables qui tournent sont des tables avec des joueurs réguliers qui ne veulent pas que je vlog. Donc malheureusement, impossible de continuer, mais je vous laisse pas là-dessus. On se retrouve tout de suite au lendemain pour la suite du vlog. Ok les gars, on se retrouve pour le bilan de la session. J'ai dû partir. En fait, le truc, c'est qu'il restait deux tables dispo. Et sur chacune des tables, il y avait un casse-couille qui me laissait pas filmer. Enfin, qui me laissait filmer en soi. Parce qu'il a pas le droit de m'interdire de filmer. Mais juste des casse-couilles qui allaient faire des scandales et tout. On sait même pas pourquoi ils veulent pas que je filme. Et ça allait créer des problèmes. Vu que j'ai que ce casino là où je peux filmer, j'ai pas envie de faire d'histoire et finalement que je me retrouve sans rien. Je pense que j'ai joué environ 4 heures pour un résultat de plus 701$. Ce qui est plutôt pas mal. Franchement, ce qui est plutôt cool. La session s'est bien passée, c'était fluide, des bons spots de bluff. La plupart de mes bluffs sont bien passés, la plupart de mes catchs sont bien passés. Et à côté de ça, j'ai eu le spot avec 6 et 7 où j'ai quand même bien chaté. Ce qui fait toujours plaisir parce que ces dernières sessions, je manquais de ce genre de spot. Donc voilà, ça fait plaisir, et c'est parti. J'espère que vous avez kiffé, pensez à vous abonner, n'hésitez pas à aller regarder toutes les autres vidéos de Vegas ou alors de Constanta, vous allez vous régaler, et on se dit à très bientôt, ciao. Quoi, une troll? Tiens la clé, mec. Je suis un peu passe-partout? Ouais. Je suis le maître des clés? Ouais, je suis le maître des clés. Ouais, c'est bien un seul son. Oh, let's go. Ouais, il fait tellement froid. Mais mec, mais c'est toi, il fait trop chaud, gros. Fou malade. Hein. Pourquoi t'as deux pulls, gros? Fou malade. Moi, je vais en manger pour toi. Trop chaud. Trop chaud, actuellement. Bon, petite... C'est un besoin de sécurité ou quoi? C'est ça, c'est... En fait, c'est au cas où... Ça, c'est que, mec... Ça se gonfle, tu... Non, mais t'es que si je prends une balle, là... Ouais. Je... Mais non. Mec, c'est pas mal, hein. Mais non. Frère, ah ouais, en fait, t'as un peu sur haute sécurité. Je crois que la voiture est là. Bref, on y va, il y a notre taxi qui nous attend. Ça part. C'est bon, tranquille, déstress, poto. On arrive. Bref, on se retrouve aux tables, il est 22h. J'ai pas de coaching aujourd'hui. Qui dit pas de coaching dit on va jouer jusqu'à 7h, 8h, on va bourriner. On monte 2, 4, 3, 4. Je crois que c'est bon, on arrive. Hein. Charles Dickens. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, il a run à la fin. Ça fait combien? 6 points et la moyenne c'est 30. C'est combien? 16? 26. Ah ouais. On est loin quand même. On est loin de fou. 28. Vas-y, attends, je vais refaire. Donc c'est ça ton warm-up en fait? C'est, en fait, c'est mon warm-up pour préparer le cerveau. Tu vois là par exemple j'étais éclaté parce que c'est le début. Ok. Là faut mémoriser. Parce qu'au poker, c'est beaucoup de la mémorisation. Faut mémoriser des mains, etc. Ok, ok. Moi, ça me va bien cet exo. Je suis chaud. Il y a un peu beaucoup de bubes par contre. Il y a un peu beaucoup de bubes. Plus de bubes que de jeu, c'est un peu gênant. Si au moins on pouvait faire 50-50, ça serait cool. C'est vrai. Oh. Ah, c'est bon, c'est bon. Game zone. Oh, ça, c'est du game zone, okay, ça. Ok. Photo win tout le monde. Là, il y a un problème. 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 Là, y'a un problème, y'a pas de corps. Mais non, mais frère, j'ai. Mais comment ça? Ah merde, je suis un baiser. Moi, je le vois. Frère, à côté du W de Welcome, il y a trop de cordes. Putain. Là, y'a un mec solo, il sait pas ce qu'il fait. Là, y'a un mec.
doit avoir un truc sur les couleurs. Je vois rien là. Putain, de bâtard. Ah, ils m'ont bien baisé, hein. Je crois que là, ils tombent. Je crois que là, ils tombent. Ils montent la faute ou pas? Non. Oh, les bâtards. C'est un vent éclaté. Et après, on va se remanger 40 minutes de pub. On arrive en haut encore, la chambre, mon warm-up, il est bien fait. Et c'est parti, comme d'habitude, on cave 800$, on dépose 500$ à la table. Et le début est très 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 lent. Des petits coups qu'on perd à droite à gauche où il n'y a vraiment rien à faire. Mon stack commence à descendre, alors je décide de remettre 100$ sur la table. Enfin bref, début trop calme, je fold pendant 2 heures. Ce qui est plutôt positif, c'est que ça me donne une très bonne image à la table. Arrive une main intéressante, j'ai As-9 au cutoff, UTG et MP call. Je décide de relancer à 20 et UTG et MP call. On se retrouve à 3 sur un flop 8-5-2 avec un tirage couleur. Et il y a le joueur en milieu de position qui décide de reprendre l'initiative et de miser 20$. Ce qui est intéressant, c'est que, étant donné que j'ai été assez sérieux, ce que j'aime bien faire ici, c'est relancer directement pour mettre énormément de pression. Je vais souvent miser en deux fois, c'est-à-dire que je vais miser très cher au flop, très cher à la turn, pour vraiment faire fold tout ce qui n'est pas brelant. En plus de ça, j'ai une hauteur as, donc s'il me paye des tirages comme 6 et 7, 9 et 10 avec un tirage couleur, eh bien je gagnerai encore à l'abattage et je pourrai checker à la river. Je relance 80 et directement au flop, les deux joueurs fold. On continue sur les spots un peu farfelus, main suivante j'ai valet 9 suité en début de parole. Et ici je vais décider de limp, c'est-à-dire call, parce qu'il y a une dynamique vraiment particulière. Le joueur en milieu de position est un joueur très agressif, c'est un joueur récréatif qui en fout vraiment partout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a des sizing tel pré-flop. C'est-à-dire que quand il a une main forte, il va miser cher. Quand il a une main faible, il va miser peu cher. Et en même temps, tous les autres joueurs à la table ont pas mal envie de le jouer, étant donné que c'est un joueur faible. Moi, de mon côté, j'ai toujours mon image de joueur assez solide, et donc je décide de call. Ce qui va se passer, c'est que le joueur en milieu de position va relancer peu cher, quand il va avoir une main faible, et donc tout le monde va call derrière pour le jouer, et je vais pouvoir sur-relancer en bluff et récupérer 50-60$ assez facilement. Et quand il va miser très cher, bah j'aurai l'option de juste call pour pouvoir le jouer et sans transformer en bluff. C'est ce qui se passe, je call, le joueur en milieu de position relance à 10, ce qui va faire 70% du temps et 30% du temps, il va relancer plus cher. Cut off call, bouton call, grosse blinde call, et donc fidèle au plan, je décide de sur-relancer à 50, et tout le monde fold, ça nous permet de récupérer 40$, et on repasse à jeu sur la session grâce à ce genre de petits coups qui me font gagner 40 par-ci, 50 par-là, et qui font plutôt plaisir. Bon, après ce début un peu lent, on fait un petit break pour un peu prendre l'air. Et en plus de ça, petit changement de table. Ok les gars, petit break. Ça va, tu mets ton petit rouge à lèvres? Ouais, je me poupane. Bon les gars, petit break. J'ai plus de batterie dans mon iPhone, je suis un con. Pourquoi tu l'as pas branché? Il était mal branché, je crois. Ah. Bref, la session se passe... C'est chiant, quoi. De mon côté. Ouais, ça va, il y a un peu plus d'action quand même. Ouais, il y a un peu plus d'action, mais là ça fait 1h30 que je touche rien. Mais mec, ils doivent me prendre pour un nid à la table. Mec, t'as un goût de ouf. Alors que je suis un taré. Et pourtant, à chaque fois que tu squeezes sur 3 mètres, tu te fais call par toute la table, quoi. Ouais, mais après ça fold le flop plusieurs fois, donc ça va aller. Là sur ces spots là, heureusement que j'ai ces spots là. Parce que je dois print 300-400 sur la session. Grâce à sur toi. Ces spots de fou furieux où j'ai 7 et 4 suités et. Ça me sur-relance, je sur-relance 200, voilà. Que c'est cool là. Bref, session tranquille, on va y retourner, on a fini notre break. Ouais, ça part. Let's go, ça part. J'arrive à une toute nouvelle table avec des joueurs complètement inconnus. Et pour ma première main, j'ai 10 et 9 suités en small blind. Il y a les joueurs UTG bouton qui call. Je décide de sur-relancer à 30. Le bouton call et on se retrouve en heads up sur un flop Dame 5-2. J'ai aucune information sur le joueur et physiquement, j'arrive pas trop à l'insérer dans un profil particulier. Je décide de miser 30 au flop. Il call, turn tombe un 6, je décide de check. Il check aussi, river tombe un 3. Ici, vu comment le coup a été joué, il n'a pas de dame, il a souvent une hauteur as ou une petite paire faible. Et donc, je décide de miser 100$ en bluff. Assez rapidement, il me call, je retourne mon bluff
il retourne As-2. Bon, ma lecture sur sa range était bonne, mais pas sur le profil. C'est assez rare, les mecs qui vont call sereinement avec une cinquième paire. Je perds pas mal sur ce bluff, mais en même temps, je suis un peu obligé de le prendre parce que de manière générale, ça va être trop profitable. Juste voilà, c'était pas le bon profil, et à l'avenir, contre ce profil, j'éviterai de prendre des bluffs dans ce genre de coup. Enfin bref, à force de petits bluffs, on repasse à jeu sur la session, mais ça décolle pas. C'est assez chiant. Moi j'aime pas trop ce genre de session, je préfère quand il y a des gros pots, quand ça en fout partout. Là, quand je monte un peu, je perds un peu, je monte un peu, c'est vraiment pas mes sessions les plus agréables. Et arrive une main qui va changer les choses. J'ai une paire de deux en milieu de position. UTG call, je call. Encore une fois, j'ai une stratégie de limp parce que les tells physiques sont trop présents et je vais vraiment pouvoir les exploiter facilement. Bouton call, small blind call, grosse blind check, et on se retrouve pour un petit family pot sur un flop 7-4-2. On touche notre brelan. C'est génial, et il y a le joueur en small blind qui décide de reprendre l'initiative et de miser 15$. Le joueur en small blind, c'est Rusty. C'est un pote à moi, c'est aussi un joueur que j'ai coaché dans le passé, et donc la dynamique qu'il va y avoir entre nous va être assez intéressante. Tout le monde fold jusqu'à moi, et je décide seulement de call, parce que j'ai peur de représenter trop de force contre lui. Si je relance très cher directement, il sait que je vais avoir la meilleure main, et il va rarement me payer des mains plus faibles. Et aussi, j'ai envie de laisser tous les joueurs très faibles derrière qui vont faire énormément d'erreurs. Le bouton call, et on se retrouve à 3 sur la turn qui est le 9. Rusty en small blind décide de continuer et de miser 40$. Bon, maintenant, il faut que je prenne ma value, surtout que le board commence à devenir bien dynamique. En plus de ça, le joueur au bouton pourra toujours me payer avec des tirages. Et je décide de relancer 120. J'ai pas envie de mettre trop cher, parce que ici, les seules mains que je value, c'est 7 et 4, 4 et 2. Et je sais que si je relance trop cher, il pourra les fold. Le joueur au bouton fold, Rusty hésite un moment, et puis call. River tombe un valet qui ne fait pas rentrer la couleur. Rusty décide de check. Et ici, c'est intéressant, parce que je sais qu'il sait que je ne bluffe jamais ce coup. Le joueur au bouton est un joueur complètement ravagé. Il sait qu'à la turn, je vais pas avoir de raise en bluff. Et donc, il sait que je n'ai pas de bluff. Un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure avec les mises théoriques par rapport à notre bluff. Ici, en fait, la mise théorique, étant donné que j'ai aucun bluff, ça serait de miser très 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 petit, simplement parce que je n'ai pas de bluff dans ma range. Et c'est ce que je décide de faire. Je décide de miser assez peu cher. On pourrait très bien se dire que j'ai brelan, qu'il a double paire, et qu'il faut miser le maximum pour tout lui prendre, mais je sais que c'est un joueur compétent, et je sais que si je mise trop cher, il pourra fold assez facilement. Et donc, je décide de miser 140$. Il hésite un moment, il call, et ça gagne. On passe up de 300$ sur la session, avec ce petit coup qui nous remonte bien. Il nous reste encore 3-4 heures de session, de quoi tout défoncer aux tables. À côté de ça, il y a Hugo qui monte un stack énorme, quel chatard. Bon allez, petit break, on va en profiter pour discuter du coup avec mon poteau Rusty. C'est parti. Du coup, le spot, moi, ce que je me suis dit, déjà, en fait, je savais pas si, genre, on jouait ou pas, tu vois, au début. Ah si, moi, je me suis dit. Mais moi, je me suis dit, vu qu'on a rien dit, on joue. En fait, quand je raise dans. J'ai mis des ultra petits sizes, tu vois. Bah, c'est River, ça m'a level en fait, le sizing, c'est pas bon. Parce qu'en fait, je me suis dit, si je raise, si je mets cher, tu fold de 7 et 4, tu vois. C'est, t'avais 7 et 4 Ouais, 7 et 4. Je me dis, en fait, y'a que ça dans ta range. Moi, je pensais que t'as, t'as 7 à carreau. En vrai, je peux avoir des monster draw, mais. En fait, je me dis, tu as tellement peu imaginé ces mains-là que j'ai pas envie de bet cher. Je me dis, si je bet cher, tu vas comprendre. Ah, non, tu bet cher, je fold. Et quand tu fais small. Je me suis dit, ah, vas-y, je call, tu vois, c'est tellement pas cher, je sais pas combien il faisait pour River, il fait 300... Un tiers, je crois. Je crois que je vais être 360, je crois, River. Ouais, je vais les 140. Ouais, 140. Ouais, c'est comme ça. Ouais, d'un pot qui va faire 600, quoi, donc. Ouais. En vrai, je me suis dit, putain, il va m'overbet sur River, tu vois. Bah, en fait, le standard avec ma main, c'est ça, parce que j'ai les notes absolues. Et tu sais que j'ai hésité à transformer en bluff. J'ai un comptage de notes. De quoi? J'ai hésité à transformer en bluff, tu vois. Je me suis dit, de toute façon, si t'as 6 et 7 à carreau. Bah, de toute façon, tu folles et si t'as perdu 2, bah t'es en face de oui. Ouais, mais le truc, c'est que t'as pas de 8 et 10 toi, à ce play. J'ai perdu 4, j'ai perdu 7. Perdu 7, je pense que Tizo. Je sais pas. Ouais. Parce que ouais, vous savez tous les deux que personne n'a 8 et 10 quoi. Non, parce que moi j'ai 8 et 10 dans ma range. Ah bon? Potentiellement je peux avoir des 8 et 10, 8 et 10 à carreau. 8 et 10 à carreau que je réalise en bluff. J'ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup. C'est que t'as pas tant que ça de fond de bois à carreau, tu vois. Vas-y, il a 6 et 7 à carreau. En vrai, si tu mets jam, t'es pas très bien. Si tu mets jam, c'est chaud. Et je me suis tâté, je suis putain, sizing. Ah, je savais pas quoi faire. Bah, si tu mets jam, je pense que je. Mais j'ai joué un peu vite à la turn. Après, le problème, c'est que moi j'ai 7-7 dans ma range aussi. J'ai 7-7-4-4. 4-4, en vrai, je peux le prendre. 7-7 aussi, tu vois. Parce que là, pour le coup, 7-7, moi j'ai joué à toi. Non, 7-7, je vais. Je sais, tu m'avais dit hier que tu veux en ligne. C'est pour ça. Parce que je me dis en plus, il sait que je vais en ligne. Je
c'est vrai que t'ouvres limite à des paires. Ouais. Et du coup, franchement, j'étais. Je pense que c'était une journée de suicide small pour moi. Ah non, mais quand tu small, je sais, il va m'ouvrir mes choses, c'est sûr. Et là, tu fais small, je me dis, vas-y, tu vas être en bluff avec small et en value avec flip, tu vois. Ouais. Je me suis dit à l'inverse, en fait, bah. Ah ouais, ça mindfuck de fou en vrai. Ouais, ah, ok. C'est vrai que c'est. Non, mais elle est ultra intéressante. Mais après. Mais je pense que même théoriquement, en fait, vu que c'est pas un spot où je vais avoir des bluffs en multiway, je pense que je peux pas mettre des bêtes chères, tu vois. Mais moi, si je colle pas ça, je colle rien. Quoi? Si je colle pas ça, je colle rien. Ah ouais? Et du coup, je peux te bluffer avec rien, tu vois. Donc. Je pense que en vrai, vu que j'ai que un ou deux combos de bluffs, tu vois, ça va être des monster draws que je vais raise. T'as un ou deux combos de bluff et en value. T'as un ou deux combos. J'en ai plein. C'est. T'as quoi? J'ai 4-4-2-2. Ouais, je bloque 4-4, c'est qu'un seul combo. J'ai 2-2. Ouais, mais en vrai, ça va quand même, tu vois. Parce que c'est vrai que si t'as 4 combos de value pour 2 de bluff, c'est un call du coup. Non, mais justement, je pense que en fait. T'aurais eu du bluff. Non, mais en fait, le truc, c'est que même le bluff, je vais le prendre peut-être 25% du temps si je me chauffe, si la Dina elle est bonne et tout. En fait, la réalité dans ce spot, c'est que j'ai peut-être vas-y un combo de bluff pour 10 value, tu vois. C'est pour ça que je mets small en fait, c'est parce que one time, je suis chaud, je sais pas pourquoi, et je bluff. Je me dis vas-y, autant ça est small, j'ai pas de bluff. T'as small, j'ai fait. Je suis peut-être chaud ici, tu vois. Ah, tu me chauffes, par contre, tu me bluffes pas bien. Vas-y, là tout le temps. En plus, je me suis dit, c'est paire de 2, et je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, 6 c'est à 40, tu vois. Ouais, je me suis un petit peu level en 16ème spot. En vrai, je suis dangereux. Et turn, j'ai joué trop vite. J'ai pas trop réfléchi. Turn, c'est pareil, je te mets un small size. Je pense que si c'est turn, je sais pas ce que t'en penses, mais en vrai, si je raise sur 5x, 6x, tu fold. Ouais. Ah, fait... Attends, j'ai 3x. T'as mis 40, j'ai mis 100. T'as mis 100 ou 140? J'ai. 120, je crois. T'as mis 40, j'ai mis 100. J'ai 3x. Ouais, c'est ça. Ouais, je prends fold, je pense. Je sais pas. Ouais, moi, je pense que je trouve pas le fold hein, avec cet E4 à la turn. Hein. Ouais, bah c'est pour ça que je mets 16. Hein. Ah ouais? Genre, en vrai, si je te mets 200. Ouais, par contre, là, ouais, pour le coup. Je sais pas, ça va me level. En fait, je vais toujours trouver une raison pour call. Ah, ok. Je pense très honnêtement, je vais toujours trouver une raison pour call avec 1 parce que je me dis en fait. Top range quoi? J'ai jamais mis, tu vois. Par contre, j'ai 4-4 de 2, 7-7 de temps en temps. Je sais pas si j'ai zoom pas honnêtement. J'étais deck en. Tu sais, en plus, moi, c'est mon seul spot de la soirée. J'ai vraiment vu et tout. Moi, je me suis fait défoncer toute la soirée. Je vois 7, je vois 7-4-2. Je me dis nice. Et là, je te vois, tu bêtes. En vrai, t'es obligé, je pense, de prendre le lead flop à ma place. Avec cette étape. Ouais, t'es obligé, ouais. T'es obligé. La table, elle est assez passive. Moi, j'ai juste call vs ton bet au flop. En gros, je me suis dit. Tu vas trop peu faire d'erreurs par rapport à toutes les erreurs que les mecs vont faire derrière, tu vois. Et vu que toi, tu peux. Genre je pense que je raise dans 5 joueurs comme ça, t'as un 7x pur, tu... Ouais, c'est tranquille, tu vois. Plus t'as pas trop 7x strong et du coup je me dis vas-y, ça sert à rien de... Non, 7x seul, je pense pas que je... Ouais, tu l'es pas, ouais. Ouais, c'est vrai que t'as pas de bon 7x. À 7 off peut-être. Ouais, mais je vais pas le bet, je pense. Non, tu l'es pas. À 7, c'est chaud, c'est tant mieux. Enfin, je vais peut-être le bet de temps en temps, mais je suis pas sûr. Ouais. Mais je suis tellement face-up en fait sur ma main. Et tu sais que. Bah oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai, ouais, du coup. Mais toi aussi, du coup, t'es un petit peu face-up, tu vois. Enfin, sur tes combos de value, sur tes combos de value, c'est 2-2-4-4, tu vois. Je bloque 4-4, putain, ça fait plus beaucoup de combos, c'est chaud. Ouais. Ah, c'est sick. Ah, là, t'as assez sick, spot, putain, c'est sick. Waouh, mais c'est pas du parent. Mais je me suis tâté. Je me suis tâté, mais je suis pas. Y'a déjà assez de coups, c'est pas ça, chauffe entre nous. Ok, on est de retour sur les tables. Je rachète la small blind parce que je viens de revenir. Alors, je sais qu'il y a des joueurs réguliers qui vont trouver ça assez bizarre que je rachète les blindes. Mais en fait, c'est juste qu'avec mon taux horaire en 1-3, racheter la blinde me coûte moins cher que ce que je gagnerais en jouant un orbite de table. Donc, je rachète toujours mes blindes. Et donc, j'ai 5 et 7 suité en small blind. Il y a le joueur au bouton qui relance 15. Je décide de call et tombe un flop 5-4-2. Je décide de checker. Il check à son tour. Turn tombe un 7. Ce qui est dommage ici, c'est qu'il a souvent une main très faible. Il a quelques 7 dans sa range, mais qui sont assez rares, genre valet 7, 6 et 7, mais je pense qu'il l'aurait misé au flop, donc c'est plutôt as 7, roi 7, dame 7, valet 7. Je décide de miser 20$, principalement pour me faire payer par des auteurs as, c'est les mains qui m'intéressent le plus ici. Il call, river tombe un 7, on touche full max, on a la meilleure main, mais lui en face, il n'a pas vraiment des mains très fortes. Ici, je décide de miser 30$. L'idée, c'est que si lui, il a un 7,
Dans tous les cas, il me relancera en value, et s'il a une autre race, il me paiera dans tous les cas. Je mise 30$, il relance 85$. Ici, on croise juste les doigts pour qu'il ait A7 ou Roi-7, et je décide de faire tapis directement pour un total de 430$. Il hésite un moment, et puis il décide de coucher une paire de 10. Main suivante contre le même joueur, j'ai Valet 10 suité en milieu de position. Il y a un joueur au bouton qui décide de faire Mississippi. Je suis en milieu de position avec Valet 10 de carreau et je relance 25$. Le bouton call, la grosse blinde call, tout main flop, Roi 6-5. C'est un board qu'ils ont finalement assez peu percuté où je vais pouvoir mettre beaucoup de pression. Je décide de miser 30$. Le bouton fold, la grosse blinde call, turn tombe un 2 qui ouvre mon tirage couleur. Et donc je vais vraiment en profiter pour bluffer, pour faire fold des rois assez faibles de temps en temps. Faire fold des 6, des 5, je sais que c'est un joueur assez conservateur, alors je sais qu'il va très mal résister à de la pression. Je mise 150$, il hésite un moment, et puis il fold. On est environ up de 500$ sur la session, ça fait plaisir, on monte doucement mais sûrement. Encore un changement de table, ça c'est à cause de Hugo qui déstack tous les mecs à la table, et on arrive sur une table bien alcoolisée, bien éclatée. Après un petit moment d'attente, on découvre Roi-Valet dépareillé en milieu de position. Il y a un Mississippi à 6$, et je relance 25$. Le joueur en small blind call et tombe un flop As-4-3 avec un tirage couleur. Je décide de miser 30$ directement au flop, il call, turn tombe un valet. On touche une deuxième paire, il check, et donc je décide de miser 35$ en value sur des tirages, sur des mains genre 4 et 5, sur des valets inférieurs, sur des petites paires genre 6, 6, 7, 7, 8, 8. Il call assez rapidement, river tombe un 9, et là, il reprend l'initiative et mise 120$. Ce qui est assez intéressant, vous pouvez voir un peu sa main dans la vidéo, il y a énormément de détente, aussi il le fait très rapidement, sans réfléchir, ce qui pour moi indique plutôt un bluff qu'une main en value. Je pense que s'il avait touché une couleur, il réfléchirait un peu plus longtemps avant de miser, et je sais qu'il peut complètement avoir des mains comme 5 et 6, 6 et 7, 4 et 5, et donc si juste il a ces mains là en bluff, et ben on a un call qui est profitable, parce que finalement, il a pas tant de combos de couleurs que ça. Bref, sa range est polarisée, il y a pas mal de bluffs, j'ai largement les codes pour call, je call, et il retourne 6 et 7. On gagne, on passe up de 600$ sur la session, ce coup régale. Arrive une main assez fun, on part sur un bon pot, c'est le bordel. Bref, ça part, ça fait n'importe quoi. Daddy. Oh. Yeah, I think I'm far behind. On finit up de 558$ sur la session. Les gars, j'espère que vous avez kiffé. Je veux pas trop vous spoil, mais putain, les prochaines sessions sont de plus en plus folles et on monte des stacks de plus en plus gros. Abonnez-vous pour ne rien louper. Et pour ceux qui sont vraiment trop impatients, venez sur le Insta Baki Poker pour suivre tout ça en direct. Let's go. Il est tout content, Hugo. Il est tout content. Il est tout content. Il a un beau stack, il est tout content. Hein. En plus, ça sera pas en vidéo. Comme ça. Un gosse. Mais ça, bien sûr, ça sera en vidéo. Ça sera jamais en vidéo. Je me battrai pour que ce passage soit en vidéo. Tu verras jamais. Comptez sur moi. Tu l'oublieras. Non, j'oublierai pas. Ok les gars, donc on a mis 800$, il y avait 600$ qu'on a déposé sur la table, 200 qu'on avait gardé, et donc on est up de 6, donc ça c'est nos 600, on est up de 1, 2, 3, 4, 5, 500, 558, on est up de 558, et Hugo, t'avais mis 800 aussi, donc t'es up de tac, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1530 à peu près. 1530 à peu près, ouais. Ouais, bonne soirée en vrai. Ouais, ça fait plaisir. En plus, on a joué combien de temps? On a 10 heures, 7 heures? Ouais, je crois quelque chose comme ça, ouais. 7 heures. Moi, c'est pas bon, je suis en vain, mais... T'as fait plus combien du coup, j'ai oublié? 558. Wow, ça reste. Ça reste pas digne. Bah oui, mais t'as, ouais, t'as pas eu un run. T'as un oui, mais quoi, je veux dire, t'as eu. Carrière, ouais. Voilà. On se retrouve tout de suite pour un petit foutre au bilan et on va manger au. Denise. Let's go!
Donc bilan de la session, plus 558$. C'était pas la session la plus folle. J'ai pas un run fou non plus. Mais voilà, on grind tranquillement. Ça monte, ça monte, ça monte. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et n'hésite pas à aller checker les autres vidéos, etc. Régale-toi. On a quoi d'autre à rajouter? Là, on a fini de manger, nous. Donc on va... rentrer. Il est 6h, donc on va rentrer. On va travailler tranquille. Voilà. Allez, vas-y, bisous les gars. À la prochaine. Ciao.